Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Soham Nripendra Rahita Purushottamena. Sakya priyena surida ridayena shunyam. Advani urukrama parigraha mangarakshan. Goper asadbir abaleva vinirjitosmim. Traduction. Ô roi souverain, séparé de cette personne suprême qui était mon compagnon et mon ami, ma vie est vide de sens. C'est pourquoi sur la route, alors que j'escortais les épouses du Seigneur, je fus vaincu par d'ignobles pâtres. Suite du commentaire. Nous avons sérieusement envie de la très sainte poussière des pieds du Seigneur pour couronner nos têtes. Même les vénérables Gopa et Gopi de Vraj, les femmes aborigènes de Vraj, la désiraient et en étaient bénies. Et plus encore, même les plantes grimpantes et les brins d'herbe de cette terre sainte la recevaient, quand le Seigneur surveillait les vaches dans les pâturages de Vraj. Comme ils étaient fortunés. Bien que nous soyons toujours pauvres, puisse ce désir de nos cœurs être comblé par le Seigneur. Dans ces versets, on comprend que les reines désiraient obtenir l'association du Seigneur dans sa forme de Shyamasundar, lorsque celui-ci se divertit avec les gopis. À Dwarka, Krishna manifeste une certaine opulence dans sa forme, ce qui donne une retenue aux relations que ses dévots ont avec lui. Mais à Vraj, il ne manifeste que sa douceur. C'est pourquoi les reines prièrent pour être élevées au rang de gopis, pour goûter ses divertissements les plus doux. Elles atteignirent donc des formes de gopi dans un autre divertissement manifesté du Seigneur. Ceci peut être compris à partir des versets du Vishnu Purana et du Brahma Purana. Vyasa parle aussi de cela à Arjuna. À cause de la malédiction du sage Ashtavakra, les meilleures des femmes, qui devinrent les femmes de Krishna, furent touchées par les voleurs. Fin de la citation. Il y a longtemps, les femmes édéniques prièrent Ashtavakra pour avoir le Seigneur comme époux. Il les bénit en disant « Que le Seigneur Vishnu devienne votre mari. » Mais le sage avait le corps tordu, et lorsqu'il marcha, sa démarche les fit rire, et elles se moquèrent de lui. Cela mit le sage en colère, et il les maudit d'être enlevés, même s'ils savaient qu'elles auraient le Seigneur comme époux. « Vous serez enlevés par des voleurs. » Puis, les demoiselles se réconcilièrent avec le sage par des prières. Étant de nouveau miséricordieux, il leur dit qu'une fois la malédiction terminée, elles atteindraient de nouveau le Seigneur qui prendrait lui-même la forme des voleurs. N'étant capables d'éviter ni la malédiction ni la bénédiction, elles furent enlevées par des voleurs et elles atteignirent le Seigneur, puisqu'il prit la forme de ces voleurs. Il est aussi dit « Ô Pandava, arrête de te lamenter. Toutes les reines ont été amenées à Krishna, le parfait époux. » Omagena timirandasya gyanam jalam jalakaya chakshurum vilitam yena tasmai shi gurave namaha jaya shi krishna chaitanya prabhu nityananda shi advaita gadada shivasari gora bhakta vrinda hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare Vamsakalpataruvyascha kripa sindhu vyayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha namam vishnu padaya krishna prishtaya bhutale shrimate bhaktivedanta swaminiti namine namaste sarasvati deve gauravani pracharine nirvishesha shunyavadi
Donc, dans cette très belle teneur et portée, ce très beau commentaire, et encore une fois, il est question d'un sage qui a donné une bénédiction, puis maudit les reines. Et donc, comme on l'avait partagé dans une autre conférence, très souvent, les personnes saintes, quand elles donnent une malédiction, c'est aussi en fait une bénédiction. Et donc là, ça se révèle être le cas encore une fois, puisque suite au fait qu'elles aient ri de lui, qu'elles se soient moquées de lui, alors il les a maudits d'être enlevés par des voleurs, mais quand on le voit après, c'était Krishna en fait lui-même qui avait pris la forme de ces voleurs, qui avait joué le rôle de ces voleurs pour enlever ses reines bien-aimées. Donc au final, c'était quand même encore une bénédiction pour elle. Comme on l'avait expliqué avec le divertissement avec les deux personnalités des planètes édéniques qui avaient été maudits et qui s'étaient retrouvés sur Terre sous la forme de deux arbres, finalement c'était une bénédiction puisqu'ils avaient été touchés et libérés directement par Krishna, par le Seigneur suprême. Donc très souvent ces histoires, ça peut paraître encore une fois partir d'un mauvais point, mais au final c'est une grande bénédiction. Donc, on a chanté un très très beau chant juste tout à l'heure là, le Sat Goswami Astaka de Srinivasacharya. Et donc, encore une fois, comme on le souligne souvent, une des qualités principales qu'on doit développer en tant que dévot et un des symptômes d'être un véritable serviteur du Seigneur, c'est qu'on développe de l'humilité. Et donc, comme dans les versets précédents, on parlait d'Arjuna, qui se rendait compte qu'il n'avait plus aucune puissance, puisque tout venait du Seigneur, et il se rendait compte que toute sa puissance, toutes ses prouesses, tout ce qu'il avait accompli, c'était seulement par la miséricorde du Seigneur, et que lui-même ne possédait aucun pouvoir par lui-même. Et donc c'est une qualité, comme l'expliquait aussi Acharya. On a besoin de cette humilité et de comprendre que ce qu'on arrive à accomplir, c'est seulement par la miséricorde du Seigneur. Et si on a cette conscience-là, alors on va pouvoir accomplir encore plus de choses pour son service. Et donc, par exemple, donc là, c'est Srinivasacharya, qui est une très très grande personnalité, et pourtant, il offre ses hommages, il offre ses respectueux hommages aussi Goswami, et il demande leur miséricorde. Et donc, tous les membres de la filiation spirituelle, ils agissent de cette manière-là envers leurs supérieurs. Donc c'est très intéressant parce qu'ils sont tous plus humbles les uns que les autres, parce qu'ils demandent tous les bénédictions de la personne qui était avant elle. Par exemple, Srila Prabhupada, il a personnifié cet exemple aussi, même si, donc de son vivant, quand il est venu aux États-Unis, quand il est venu dans tous les pays occidentaux, et quand il a réussi à faire grandir ce mouvement de Sankirtan, et qu'il a ouvert tellement de temples, des centaines de temples, et qu'il a fait tellement de dévots, il a fait connaître le Saint-Nom littéralement dans tous les pays. Pourtant, à chaque fois qu'on le glorifiait, et à chaque fois que ses disciples le glorifiaient de ce qu'il avait accompli, il disait toujours que c'était pas lui, que c'était seulement son maître spirituel, c'était seulement la miséricorde de son maître spirituel, et que lui n'accomplissait rien en fait, que c'était seulement le désir et donc la puissance de son maître spirituel. Mais si on voit son propre maître spirituel, lui aussi, il avait ce discours-là. Et donc, il glorifiait son propre maître spirituel, qui lui, à son tour, glorifiait son propre maître spirituel. Et donc, si on remonte la filiation spirituelle, on arrive à Narada Muni, on arrive à Brahma, et on arrive à Krishna, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est un principe très important, le principe de la succession disciplique. Et c'est à ça, les Écritures nous expliquent que c'est à ça qu'on reconnaît une philosophie authentique et une spiritualité authentique, qu'on peut retracer la chaîne, on peut voir d'où vient la connaissance, et donc dans ce cas-là, ça vient directement de Krishna, du Seigneur suprême lui-même qui a instruit Brahma. Et donc, en faisant partie de cette filiation, on peut être sûr que le savoir, il a toujours été transmis d'une manière pure et d'une manière exacte. Parce que justement, comme l'expliquait Srila Prabhupada, c'est très facile d'être un maître spirituel, dans le sens où un maître spirituel, c'est quelqu'un qui répète parfaitement ce que son propre maître spirituel a dit. Et il ne change rien. Il ne change pas du tout le fond, il ne change pas du tout le sens.
Et c'est à ça qu'on peut reconnaître un vrai maître spirituel. Donc c'est pour ça qu'il demandait à tous ses disciples, je veux que vous deveniez des maîtres spirituels. Puisque c'est très simple, il suffit juste de répéter parfaitement ce que votre propre maître spirituel a dit. Donc évidemment, dans la pratique, c'est pas si facile que ça. Mais le principe, il est extrêmement simple et il est extrêmement pur. C'est juste, on répète sans rien modifier et sans rien ajouter de notre propre concoction, de notre propre réflexion à ce qui vient, de nos prédécesseurs et de ce qui vient du Seigneur directement. Donc ce savoir-là, il était donné directement par le Seigneur et à travers cette filiation spirituelle, c'est le même savoir qu'on peut obtenir. Donc il n'y a pas longtemps, on a fêté le festival de l'apparition du Seigneur Nityananda. Et donc Nityananda Prabhu, c'est une émanation de Balaram. Et Balaram, en fait, il représente ce principe-là, vraiment le principe du gourou originel, donc ce qu'on appelle Adiguru, Adiguru Tattva. Et donc, c'est pour ça que c'est un jour de très bon augure, le jour d'apparition du Seigneur Nityananda, où on peut vraiment le prier pour être connecté à cette filiation spirituelle. Et par exemple, si on n'a pas encore de maître spirituel, on peut le prier pour qu'il nous envoie un maître spirituel qui soit qualifié et qui soit adapté pour nous aussi. Donc Nityananda Prabhu, il symbolise vraiment cette perfection de l'enseignant, du maître spirituel. Donc comme on l'avait, c'est un divertissement que j'avais déjà partagé, mais donc Balaram, il représente ce principe-là. Et donc on sait qu'à un certain moment, pendant la bataille de Kurukshetra, donc Balaram avait décidé de ne pas combattre, puisqu'il était lié avec les deux parties, avec les Pandava et avec les Kaurava, puisque son disciple, donc Duryodhana, c'était un de ses plus chers disciples au combat à la masse, et donc il ne pouvait pas prendre parti. Il ne pouvait pas prendre parti contre lui, et il ne pouvait pas prendre parti avec lui, puisqu'il y avait Arjuna, il y avait les Pandava, il y avait Krishna aussi en face. Donc il a décidé de ne pas prendre part, il a dit pendant qu'il y aura cette guerre, je ne préfère pas prendre part, et moi je ferai un pèlerinage. Donc c'est ce qu'il a fait, il est parti en pèlerinage pendant tout ce temps-là. Et donc on sait qu'à un certain moment, il faisait le tour des lieux saints, et donc il est entré dans un cercle de personnes, de sages, qui récitaient le savoir spirituel, qui donnait des enseignements, sauf que la personne qui a donné ces enseignements-là, même si toutes les personnes, dès qu'ils ont vu Balaram, ils ont reconnu en lui une grande personnalité et se représentant de Adiguru, du maître spirituel originel, donc ils lui ont tous offert leurs hommages, et pourtant, cette personne-là qui était assise sur le Vyasasana, qui était assise et qui donnait la conférence, cette personne-là, elle n'a pas rendu ses hommages. Elle a ignoré Balaram. Et donc, Balaram, il a su qu'il devait rectifier cette chose-là. Et donc, pour montrer qu'il faut bien suivre ce principe-là, de toujours respecter le maître spirituel et de toujours respecter cette filiation disciplique et comprendre qu'on est juste un chaînon, on est juste quelqu'un qui transmet cette chose-là, il est allé vers cette personne et donc, simplement le touchant avec un brin d'herbe, il lui a ôté la vie. Et donc là, tous les sages étaient choqués puisqu'ils se sont dit, mais on est tous venus pour l'écouter et donc maintenant, qui est-ce qui va nous expliquer maintenant toute cette connaissance-là? Et donc il a dit, puisque le fils n'est pas différent du père, ce sera son fils qui va vous donner cette connaissance-là. Et donc même si c'était juste un très jeune enfant, encore une fois, puisque Balaram, il symbolise le Guru Tattva, et donc la puissance de pouvoir donner la connaissance, simplement en lui donnant cette instruction, ce jeune enfant, il a reçu toute la connaissance spirituelle. Et donc ensuite, à son tour, il a pu tout partager. Donc ça nous montre bien que c'est seulement par la miséricorde et le désir du maître spirituel qu'on peut devenir intelligent, entre guillemets, et qu'on peut avoir cette capacité-là de discourir. Mais que si par nos propres efforts, on essaie de le faire, alors comme l'explique Acharya Nishtha, notre bassine, elle commence à avoir des trous, et on perd cette miséricorde, et on devient un sot, et on ne peut plus rien dire, et on n'arrive plus à parler. Donc on connaît par exemple ce divertissement avec Chaitanya Mahaprabhu, quand il y a ce grand Digvijay, ce grand philosophe, ce grand débatteur qui est venu et qui arrivait à vaincre tout le monde en débat philosophique. Et donc il a voulu rencontrer Nimai Pandit, puisque Nimai Pandit était réputé comme aussi un très jeune mais un excellent orateur et quelqu'un qui discourait très bien, qui connaissait très bien la philosophie. Donc il a voulu se confronter à lui. Sauf qu'il a fait des erreurs. Quand il l'a confronté, dans les paroles qu'il a dit, il a fait des erreurs. Et donc en fait, ça l'a vraiment perturbé, puisqu'il avait reçu personnellement une bénédiction de la déesse de l'érudition pour qu'il puisse
toujours vaincre tout le monde et qu'il soit toujours supérieur à tout le monde en duel. Et donc en rêve, elle lui est apparue et lui a expliqué « je ne peux pas t'aider dans cette situation puisque tu es face à mon seigneur et donc je ne peux pas être supérieur à mon propre seigneur ». Et donc il a compris que Nimai Pandit n'était pas juste Nimai Pandit, c'était Dieu la personne suprême en fait. Mais par lui-même, encore une fois, il était sûr qu'il allait réussir à le vaincre et à l'impressionner, etc. Sauf qu'il a fait des erreurs. Parce qu'encore une fois, sa puissance ne venait pas de lui. Et la personne qui lui a donné sa puissance, elle lui a dit « Non, je suis désolé, là, je ne peux pas te donner cette capacité-là, puisque c'est le Seigneur suprême. Je ne peux pas te donner cette capacité de le vaincre. » Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un point que fait souvent Gurudev. Il faut vraiment comprendre que même les personnes qui prêchent l'impersonnalisme, même des personnes qui prêchent le fait que Dieu n'existe pas ou que nous sommes Dieu, ce qui est absolument faux, selon les écritures védiques et selon la connaissance que Krishna donne, il faut comprendre que ces personnes-là, elles sont quand même mises en pouvoir. Et donc si toutes ces choses se passent, il faut comprendre que c'est quand même sous la juridiction du Seigneur. Et donc, puisqu'il le dit lui-même, pas un seul brin d'herbe dans ce monde ne bouge sans sa sanction. Donc encore une fois, c'est pas qu'il valide ces choses-là, c'est pas qu'il dit « oui, on va tromper les gens, etc. » C'est pas dans ce sens-là. Mais encore une fois, comme on l'expliquait, il réciproque avec le désir des êtres vivants. Donc si les personnes ont envie de l'oublier, ont envie de vivre en l'effaçant complètement de leur vie, il va le permettre, puisque c'est le désir des âmes conditionnées. Mais c'est pas ce que lui veut personnellement, puisque lui, personnellement, ce qu'il veut, c'est qu'on revienne jouer avec lui, c'est qu'on revienne dans notre demeure éternelle, dans notre relation éternelle, comme on l'expliquait, qu'on retrouve la relation qu'on a toujours eue avec lui et qu'on a juste oublié. C'est ça son véritable désir. Mais entre temps, il y a notre désir à nous. Et comme je l'avais déjà partagé dans l'histoire donc avec Krishna Vrindavan et avec le démon Agasura, avec le démon serpent, c'est un petit peu aussi, cette image elle est un petit peu donnée aussi, puisque donc certains pâtres, ils avaient conscience que ça avait quand même vraiment l'air d'être un serpent. C'était trop bizarre quand même, quoi. C'était vraiment quelque chose de... C'était comme une caverne immense, mais cette caverne, ça ressemblait vraiment à la bouche d'un serpent quand même. Et les pics de cette caverne, de cette montagne, ça ressemblait vraiment à des crocs de serpent aussi quand même. Donc il y a certains pâtres qui se sont dit, c'est bizarre, je pense que ça va être un serpent. Mais il y en a d'autres qui disent, mais non, c'est pas grave, c'est juste un merveilleux air de jeu que Vrindavan a manifesté pour nous. Et donc ils se sont tous dit au final, de toute façon Krishna est avec nous, et puisqu'ils avaient pleinement confiance en Krishna, ils se sont dit, si quelque chose de mal va nous arriver, comme toujours, Krishna va venir nous sauver. Donc ils se sont dit, c'est pas grave, nous on va y aller. Et donc à cet instant, ils sont rentrés dans la bouche du serpent. Et au même moment, Krishna il regardait de loin, et il avait conscience que c'était un serpent, et que c'était un démon qui était venu pour tous les avaler et tous les tuer. Donc il s'est dit, donc, en tant que Seigneur suprême, il a eu cette vision-là, puisqu'il est omniscient en tant que le Seigneur, et s'est dit, non, je ne veux pas que mes amis rentrent dans cette bouche de serpent, parce qu'ils vont tous mourir sinon. Et pourtant, même si c'était son désir, ils ont échappé de ses mains, et ils sont tous rentrés. Donc en commentaire, les Vaishnavas expliquent, on pourrait se poser la question, mais comment c'est possible? Le Seigneur a eu un désir, et pourtant, ça ne s'est pas réalisé, pourtant ça ne s'est pas fait. Parce qu'en fait, il nous explique que le désir des purs dévots du Seigneur primera toujours sur le désir du Seigneur. Ce sera toujours supérieur. Et il devra toujours s'adapter au désir de ses purs dévots. Donc c'est là qu'on se rend compte de la puissance des purs dévots. C'est qu'ils ont, même si leur désir il est contraire à celui du Seigneur, par amour, le Seigneur, il va devoir l'accepter. Parce qu'en fait, donc un peu plus loin, ils expliquent que le véritable désir des pâtres, et donc des purs dévots du Seigneur, c'était qu'il soit dans une situation dangereuse pour que Krishna puisse personnellement venir les aider. Et donc c'est pour ça que l'énergie de divertissement de Krishna fait que tout ça se mette en place pour que les dévots de Krishna puissent être sauvés personnellement par Krishna. Donc si on garde cette chose-là en tête, on comprend à quel point les purs dévots, et les dévots qui sont très chers au Seigneur, qui ont donné toute leur vie au Seigneur et qui vivent seulement pour lui, à quel point ils sont puissants. Et à quel point ils peuvent accomplir des choses incroyables. Comme l'expliquait Charanishta, on a un exemple très très récent avec Srila Prabhupada, puisqu'on sait que c'est un associé éternel de Radha et Krishna, donc il est très cher au cœur du Seigneur, et qu'il a été envoyé dans ce monde pour une mission particulière, et donc c'est pour ça qu'il y a des choses absolument
infaisables et incroyables qui se sont passées de son vivant, puisqu'il était mandaté par le Seigneur. Donc toutes les portes sont ouvertes. Mais c'est intéressant de noter qu'au début, ce n'était pas le cas. Quand il a voulu commencer à faire ce pourquoi il était venu, donc c'est-à-dire que prêcher cette connaissance et distribuer cette connaissance transcendantale, ça ne marchait pas, c'est impossible. Il n'y avait personne qui était intéressé. Quand il a créé ce qu'on appelle donc la Ligue des Dévots, c'était son premier groupe, ça n'a pas du tout marché, c'était très compliqué. Quand il distribuait donc ses premières revues, c'était très difficile aussi physiquement et ça ne marchait pas vraiment, ça marchait vraiment pas en fait. Et donc on peut se poser la question, mais comment c'est possible? Puisque c'était un associé éternel du Seigneur qui était mandaté pour le Seigneur pour partager cette connaissance et pourtant ça ne marchait pas. Donc en fait, tous ces exemples-là nous sont donnés pour d'une part glorifier les dévots, pour montrer à quel point ils sont dévoués au Seigneur et à quel point ils ne dévient pas de leur mission, et aussi pour montrer que la chose la plus importante, c'est d'obtenir la miséricorde, de demander la miséricorde. Par exemple, Srila Bhaktisiddhanta, on sait que, encore une fois, c'est Bhaktivinoda Thakur lui-même, donc on sait qu'il est Kamala Manjari dans le monde spirituel, qui a demandé au Seigneur, qui a fait une prière au Seigneur, en voyant qu'il lui restait peu de temps à vivre, et en voyant l'ampleur de la tâche de répandre ce mouvement de Sankirtan dans le monde entier, dans le monde moderne, il a fait une prière très sincère au Seigneur, il a demandé, s'il te plaît, envoie-moi quelqu'un, envoie-moi un de tes associés, pour qu'il puisse venir m'aider. Et donc cette personne-là, il s'est manifesté en tant que Bimal Prasad, qui va devenir Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Et donc, encore une fois, lui aussi, c'est un associé éternel du Seigneur. Et pourtant, il a montré lui aussi l'exemple qu'avant de commencer sa mission de réellement prêcher ce mouvement Sankirtan, il a demandé la miséricorde et il a fait un vœu de seulement chanter les 100 noms toute la journée, nuit et jour, pendant des années, simplement juste pour montrer qu'il faut obtenir la miséricorde. Et que ce n'est pas juste pour nos propres efforts qu'on dit « Tiens, c'est bon, j'y vais et c'est parti. » Même des personnes qui sont mis en pouvoir directement et qui ont conscience de leur relation avec le Seigneur, ils nous donnent l'exemple pour que nous, quand on voit leur biographie, quand on voit leur vie et quand on l'étudie, on se rend compte « Ah bah, au début, ça ne marchait pas trop. » Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé la miséricorde. Ils ont montré que par eux-mêmes, ils n'avaient aucune puissance, alors qu'en fait, ils étaient tout puissants, c'est des associés du Seigneur. Mais ils ont montré que le plus important, c'est de demander la miséricorde. Et une fois qu'on l'a obtenue, alors là, ça marche vraiment. Je ne crois pas, c'est la même chose. On sait très bien qu'au début, encore une fois, ça ne marchait pas vraiment. Et ensuite, quand il a vraiment prié sincèrement et quand il a dit « C'est bon maintenant, je m'abandonne complètement à toi, Seigneur. Je pars sans rien aux États-Unis, juste avec une mallette et quelques livres, sans argent, en prenant pleinement refuge de l'instruction de mon maître spirituel, en ayant foi dans cette instruction et en faisant tout pour qu'elle puisse être le centre de ma vie. » Alors là, ça marche. Et donc ensuite, comme on le sait, en très peu de temps, en une poignée d'années, il y a des milliers de personnes qui ont rejoint ce mouvement. Il a ouvert plus de 108 ans dans le monde entier. Et c'est un mouvement qui est répandu, on peut le dire, vraiment dans le monde entier maintenant. Mais encore une fois, c'est parti du fait qu'il a demandé cette miséricorde-là aussi. Comme c'est des poèmes que Maharaj lit souvent, par exemple, les poèmes qu'il a écrits sur le bateau, qu'il l'a amené de l'Inde aux États-Unis, il le dit lui-même, il dit « Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas où je vais aller, c'est un pays que je ne connais pas du tout. » Donc juste s'il te plaît, amène-moi là où tu veux et fais de moi ce que tu veux, je m'en remets à toi. Et c'est à travers moi que cette miséricorde va agir, mais c'est toi qui agis en fait, c'est pas moi directement. Et on peut voir à travers lui directement, il y a tellement de choses incroyables qui se sont passées. Et même plus que ça, il y a certains grands dévots, certains frères rendus de Srila Prabhupada qui expliquent qu'il était Nityananda Avesh. Donc c'est-à-dire qu'à certains moments, c'était directement le Seigneur lui-même, le Seigneur Nityananda, qui prenait possession de son corps, et qui était dans son corps, et qui se manifestait en lui pour accomplir certaines activités. Donc ça, c'est, encore une fois, c'est pas rien, mais ça montre que, puisqu'il était totalement abandonné, il dit « Fais de moi ce que tu veux, Seigneur ». Il disait même « Fais-moi danser, si tu veux me faire danser, fais-moi danser ». Et donc il a dit « Fais ce que tu veux », et donc c'est le Seigneur lui-même qui pouvait faire ce qu'il voulait, et là, ça marchait vraiment. Et à l'inverse, si parfois on essaye de faire un service comme nous, ça nous plaît, sans demander ce que réellement le maître spirituel veut, ou ce que les autorités veulent, Krishna, il va juste réciproquer avec ça, mais pas plus. Mais alors que si on lui dit, bah voilà, je mets à ta disposition mon corps, et faisons ce que tu veux, alors à ce moment-là, il y a des choses vraiment extraordinaires qui peuvent se passer. Donc c'est pour ça qu'il y a tellement d'histoires qui sont racontées, donc évidemment du temps de Srila Prabhupada, mais aussi tous les frères en Dieu de Srila Prabhupada, il y a beaucoup de livres qu'ont écrit leurs disciples, que ce
soit Bhakti-lakshya-kshila-dev Goswami-maharaj ou Shilapuri Goswami-maharaj, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées par leurs disciples pour nous montrer des choses extraordinaires qui se sont passées et pour nous donner foi dans ces enseignements et surtout dans ces personnalités-là. Donc, même des grandes personnes comme Srinivas Acharya, ils demandent aussi la miséricorde. Et donc, dans le chant qu'on a chanté tout à l'heure, ils demandent la miséricorde aux Sigosami. Et donc, on sait que les Sigosami, de la même manière, c'est des personnes qui ont fait tellement de choses pour le mouvement de Sankirtan. Et donc, ils ont été mis en pouvoir aussi par le Seigneur, par Mahaprabhu, qui leur a demandé d'écrire des livres pour mettre par écrit toute cette philosophie, parce que lui-même, Mahaprabhu, il n'a rien écrit, il n'a aucune instruction écrite. Il a demandé que ce soit les Sigosami qui puissent mettre ça en forme pour qu'ensuite ça soit distribué. Et donc, suite aussi aux Sigosami, c'est Bhaktivinoda Thakur qui a eu conscience que maintenant, dans l'ère moderne, il fallait prêcher dans une autre langue que seulement le sanskrit ou le hindi ou le bengali. Donc il a commencé cet effort de traduction et ce désir de porter cette chose-là, de l'exporter dans le monde entier, puisque c'est quelque chose qui est dédié à toutes les âmes spirituelles, peu importe où elles sont. Et donc ensuite, son fils, comme on l'expliquait chez la Bhaktivinoda, il a commencé à envoyer certains de ses disciples au Japon, en Angleterre, dans les pays occidentaux. Et son meilleur disciple, comme certains le disent, Srila Prabhupada, qui était, encore une fois, on dit que c'est son meilleur disciple, puisqu'il a, il a incarné parfaitement le fait de suivre l'instruction de son maître spirituel. Et donc il a suivi l'instruction mot à mot, donc il lui a dit « prêche, écris des livres en anglais, etc. Prêche à l'étranger », donc c'est ce qu'il a fait. Et on a pu voir que maintenant ça a vraiment marché. Mais tout ça, encore une fois, c'est une succession disciplique. C'est pas une seule personne, c'est pas chez le Bhaktivinoda Thakur qui a, lui, tout traduit et partagé ça dans le monde entier, et que c'est grâce à lui que tout marche. C'est vraiment, chacun apporte sa pierre, mais ils se réfèrent tous à la personne d'avant. Ils disent « moi j'ai rien fait ». C'est juste mon maître spirituel qui agit à travers moi. Et à travers cette pensée-là, on peut avoir une réelle humilité, comme l'explique Acharya Nishtha, et là on va pouvoir recevoir beaucoup de mise en pouvoir pour pouvoir accomplir beaucoup beaucoup de choses pour le mouvement de Sankirtan. Mais d'abord, la chose première, la première étape, c'est de développer cette humilité et de comprendre que par nos propres efforts, ça ne marchera pas forcément, mais que c'est le Seigneur qui agit selon son bon vouloir, à travers notre disposition, à travers notre corps, notre intelligence, etc. et qui nous met en pouvoir pour accomplir toutes ces choses-là. Donc, c'est une très belle prière, le Sat Goswami Asakam, donc on peut la lire, on peut vraiment demander la miséricorde des six Goswami pour qu'on puisse obtenir les mêmes qualités qu'eux, la même détermination qu'eux, la même humilité qu'eux, pour qu'on puisse accomplir notre service et apporter notre pierre aussi dans ce mouvement de 5-4 pour faire plaisir à ma propre. Donc voilà, je m'arrête ici. Des questions, des commentaires. Shrimad Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Kaur Premanand.